All right. We're here to play Alibi. Alibi. Hakim, ça va? Tu étais en train de t'étirer? J'ai mal au genou et je me chauffe. Ah oui, Hakim essaie de reproduire ce move. Wow. Oh là là. On est avec Hugo, un de mes meilleurs amis. Et aujourd'hui, on va jouer à Alibi contre Fadili et Hakim, qui sont un joli petit couple adorable que l'on vit. Tout mignon, là, tout mignon comme ça. Avec un petit mioche qui j'imite. Hey, je suis un mioche, t'es pas Non, pardon, j'adore votre fils. C'est le dernier épisode de Alibi. Nous avons commis des délits. Vous allez devoir apprendre un alibi pendant 1 minute 30 et aussi couvrir toutes les zones d'ombre qu'il comporte. On va être interrogés séparément. Il va falloir répondre la même chose à des questions. Et plus on avance dans le jeu, plus c'est dur. Mais regardez, il dépasse du rideau. Il est temps d'accueillir Maître Avocat. C'est la première fois que des accusés applaudissent en avocat. C'est ça, grave. De quoi on a accusé, Maître Avocat? Vous êtes accusé d'avoir pénétré hier après-midi dans l'enceinte du complexe sportif de la ville. Vous auriez entièrement vidé la piscine olympique de ses 3750 mètres cubes d'eau. J'adore l'eau, moi. Grâce au témoignage, nous avons pu faire ces portraits robots. Nous avons ici donc Fadili Camara et Hakim Jimini. A priori. Là, c'est vraiment pas Hugo, quoi. Ils m'ont fait la belle calvitie, les enfants. Bien joué. Je vous laisse avec des alibis à chacun. Vous avez exactement 1 minute 30 pour les apprendre une fois que vous serez entré dans le commissariat. Bonne chance à vous. À tout de suite, Fadili. À tout de suite, Hakim. Bon courage. Merci, maître avocat. On vous aime. Pas de soucis. Hugo, c'est maintenant que vous trahissez. Allez, ferme la porte. Hier après-midi, vous étiez chez la mère d'Hugo, car elle vous avait invité à déjeuner. Elle habite où? Dans une maison dans le quartier de la vieille ville de... Nantes. Tu vois pourquoi? Nantes. On a proposé un rendez-vous pour un film à Fadili. Le film, c'est Black Panther 3. Ok. Chourie parce que je lui ressemble, je vais faire sa sœur. Hugo voulait montrer à Lucas ses souvenirs d'enfance. Vous avez écouté de la musique, beaucoup d'électro. J'adorais Skrillex. Ah, ok, Skrillex. Attends, Kim, mets ton de côté, je vais de mon côté à toi, ce que j'arrive. En fin d'après-midi, vers 18h, vous étiez dans un magasin de basket pour toi. Ouais, très bien. Basket pour toi. Très bien. Il avait tellement de tête. Le magasin était ouvert exprès pour vous, ok. Vous en achetez une paire. Et la paire qu'on a achetée, c'était quoi? Air Max. C'est chaud. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, frérot? C'est fini les révisions, c'est fini. Plus dire, ça, c'est fini là. Ouais, faut plus. Il est tellement doux. C'est terminé. C'est fini, monsieur. C'est fini. Bonsoir à tous. Hugo, confiance, mon frère. Ça va le faire, mec. C'est parti. Bonjour. Oh là là, la voilà. Attention, elle rigole pas du tout, celle-là. Bonjour. Oui, c'est fini la fête. Je connais Hakim Jimini. Avec un J comme Julien. Très bien. Et c'est le plus gros tryharder que la France ait pu connaître. Messieurs, dames. Bonjour. J'imagine que Fadili aussi, vu qu'ils sont fous amoureux et qu'ils ont un enfant ensemble. Donc je vais vous poser un certain nombre de questions et on va vérifier si votre alibi tient. Ok. Alors moi, je me base sur ce que vous avez déclaré. Bien sûr. Vous dites que vous n'étiez pas sur le lieu du délit. Chez qui étiez-vous hier? Hier, j'étais chez la mère de mon ami Hugo. Ouais, j'étais chez ma mère. Donc vous étiez chez sa mère pour le déjeuner? Absolument. J'ai vraiment besoin d'avoir le prénom de la mère de Hugo. Ah, moi aussi j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux contacter sa mère? Bah non. On va pas y passer la nuit. Soit vous savez, soit vous savez pas. Elle s'appelle Léna. Ma mère? Elle s'appelle Carole. Comment elle s'appelle ta mère? Carole. J'ai dit Léna parce que je savais pas son prénom et c'est la seule qu'on a croisée tous les deux aujourd'hui, tu vois. Ok, ouais, ok, j'ai, t'inquiète, je capte. Ah, j'ai pas pensé au prénom de la daronne. Puisque vous connaissez bien votre mère, c'est quoi la couleur de ses cheveux? Un peu comme moi, en vrai, assez similaire, assez foncé. Hein. C'est logique. Elle brune, c'est noir. Elle est complètement... Mais comme Hugo, c'est logique, c'est de la logique. Noir. Ça a l'air d'être ça. Ah bah oui, je connais bien ma mère. Alors, vous dites que Hugo vous aurait montré des souvenirs d'enfance. Est-ce que vous pouvez en citer... Le seul truc que j'ai qui m'est montré réellement, c'est une vidéo de lui tout petit sur la plage où il joue au présentateur télé. Un souvenir, bah par exemple, je lui ai fait écouter du Skrillex. Oh non! Merde, c'est quoi qu'il a dit? T'as dit quoi? On a écouté de l'électro. Mais non, mais c'était pas ça la question. Ah, mais non, moi je lui ai dit la musique. On dirait il est bourré. Moi le souvenir c'était la musique. Ah non, moi le souvenir j'ai dit la vidéo de quand t'étais jeune là sur la plage où tu présentes. Oh waouh. Ouais, je suis allé loin, frère, ouais, je suis allé loin. T'inquiète, ça va le faire. Putain, non, comment j'ai pu perdre ça? Alors vous parlez de League of Legends. Ah ouais. Mais c'est quoi le héros préféré de Lucas par exemple?
Le jeu a été développé par Riot, si vous voulez tout savoir. Non, c'est pas la question. Le héros de base, pour moi, il s'appelle Ash. Raven. Oh non. Ouais, c'est pire. Non, mais la question, c'est quoi? J'en ai où? T'as dit qui? Mais je connais rien, je connais pas un perso de LoL. T'as dit qui? J'ai dit Raven, j'ai inventé un nom. Mais c'est quoi cette question? Il pose une question sur le texte. Des questions sur FIFA, au moins je connais. Comment s'appelle le magasin de basket où vous êtes allé à 18h? Basket pour toi. J'irai basket pour toi, je crois. Yes! Oh là là, c'est pas vrai. Excusez-moi. Vous vous croyez où? Enfin, je sais pas. Dans une vidéo sur la chaîne de Squeezie. Je ne sais pas à qui vous parlez, mais c'est gênant. Allez. C'est vrai, vous avez raison. Vous dites avoir acheté une paire de baskets, donc comment s'appelle le modèle? Air Max, évidemment, tous les jours. Des Jordan, c'est des Air Jordan. Oh! Air Jordan! Air Max! Air Max, Air Jordan, ça existe pas? Oh là là, c'est dur, frère, là on c'est est dur, hein. On est mauvais là. Hein. C'est pas un bon démarrage. Alors, selon vos déclarations, vous êtes allé ensuite chez Lucas et vous avez fait quoi sur place? On a notamment écouté de la musique, on écoutait de l'électro. Skrillex. Par exemple. Ah, moi, ma tête faisait ça quand j'écoutais Skrillex. Qu'avez-vous fait sur place? On a écouté de la musique électro. Quand vous étiez chez vous, avez-vous remis des croquettes dans le bol de Natsu? J'en ai remis, c'est la réponse logique. Oui. Non, il a remis des croquettes. Ouais, il est très prévoyant là-dessus. Bien joué, Hugo. Bien joué, Hugo. Et dernière petite question, c'est quoi la marque de l'ordinateur de Lucas? Là, je crois, en ce moment, il est sur un petit Asus Gamer. C'est un Asus hashtag AM. Oh, il l'a fait. Je t'aime. Je t'aime. Comment il a fait? Asus hashtag AM. Non, hashtag AM, c'est pour dire que je fais une publicité, là. Ah, hashtag AM. Ah, tu vois que c'est un Asus hashtag AM. On va passer à Monsieur Gemini. Hop là, c'est maintenant. Oh là, ils sont là. Question de ouf. La fin d'un couple ou pas, c'est maintenant. Ah ouais, là c'est parti. Là. C'est parti. Alors, vous aviez rendez-vous pour parler d'un film. Mm-hmm. Pouvez-vous me donner le titre de ce film? C'est Black Panther 3. Black Panther. C'est bon, Hakim. T'as vu, j'ai répondu direct, t'as quoi? T'as été très fort. Vous deviez déposer votre enfant chez les parents de Fadili. Ouais. À quel numéro de rue est l'immeuble des parents de Fadili? Putain de merde. Oh! Ah putain, je sais plus. Attends, les bâtards. Rue du... Et le numéro? Le numéro 65. 17. Non, mais... I mean, bro! Fadili! Qu'est-ce que t'as dit? 17! 17 quoi? 17 chemin de... Mais t'es sérieuse? C'est l'adresse GPS. On s'arrête au 17 chemin des... On continue 65 rue. Mais Fadili, c'est toujours 50. J'ai donné la vraie adresse là. Non, c'est l'adresse que vous mettez dans le GPS, mais ensuite vous marchez 50 mètres pour une autre adresse. Peut-être t'as raison. Mais c'est elle qui a dit ça. Ah, c'est elle qui a dit ça? Oui. Ah bah putain, ouais, ça doit être ça. Pardon. On reste entre nous. Excusez-moi. On reste entre nous. Non, mais c'est frustrant, madame. Quelle était la couleur de la ligne de métro que vous avez empruntée? Oh là là, madame. Je suis albinos, comment on fait? Alors, donne-moi le numéro. Madame, je suis numéricos. C'est plutôt un rose pastel. Doux. Douillet. Du coup. Attendez, madame, je veux dire, j'avais bleu. Putain, mais je... Fadi, t'as dit quelle couleur, s'il te plaît? Non, dis-moi quelle couleur t'as dit. J'ai dit bleu. T'as dit quelle couleur? La rose. La 8 ou la 7? Mais la 8, elle est bleue. La 8, elle est bleue. Elle est rose. Sors. J'ai l'impression qu'il se trompe souvent, non? Il est plutôt douillet dans ses réflexions. Hakim, dans ce que vous avez déclaré, vous dites avoir perdu votre ticket avant de le retrouver. Tout à fait, madame. Et il était où, finalement, ce ticket? Il ne l'a pas retrouvé. Dans ma poche. Mais non, mais Fadili! Mais tu t'as dit quoi, s'il te plaît? Ton ticket, il était où? Dans ma poche, comme d'hab, je retrouve tout dans mes poches, Fadili. Mais tu me connais plus? Qui suis-je? Fadili, pense à ce que je suis dans la vie. Ok. C'est-à-dire un teubé, de première. On est meilleur qu'un couple! Donc on se base sur la vie. Tu te bases toi sur la vie, je suis un teubé. Sacré Hakim, toujours... Peut-être en l'air, quoi. Toujours douillé, quoi. Ouais, toujours. Par contre, ça fait beaucoup de mauvaises réponses pour un couple. Ouais. Putain. Je reviens un peu sur le film qu'on a proposé à Fadili. Black Panther. Qui est l'autre grand rôle qui partage l'affiche avec elle? Il y avait Michael B. Jordan dans le 1, et dans le 2, c'est qui le main acteur? Ben c'est la meuf. Oui, et comment elle s'appelle? Je sais pas comment elle s'appelle cette femme. Pareil. C'est Letitia Wright, mais c'est Shuri dans le film. Mais mettez Michael B. Jordan. Michael B. Jordan. Là, hey, bordel, elle a dit qui? Ça, c'était dur, ça, Fadili, j'avoue, c'était dur. T'as dit qui? Dis pas que t'as dit Hakim Gemini. Hakim, je ressemble à qui? La meuf. Shuri. Frère, mais parle français, toi. Il a dit Michael B. Jordan. Il a dit qui? Michael B. Jordan.
D'ailleurs, quel était le prénom de la personne avec qui elle avait rendez-vous? Ah, madame, là, vous abusez. Là, on essaye de vous sortir d'un pétrin. Ouais, t'as pas anticipé? J'ai pas anticipé ça du tout. Je me souviens plus de son prénom. Tu sais quoi, dis Sado. C'est son argent. Peut-être c'est elle qui l'avait, tu vois. C'était Gonzalve. Mais Lop, faut au moins des bonnes réponses. T'as dit quoi, Lop? Sado. Gonzalve, Lop. Mais oui, Gonzalve, je suis con. Mais non, mais c'est son agent cinéma. Lop, concentre-toi. Dès que ce mur se lève et que je vois le visage de Fadili apparaître. Mais de pire en pire, mais Lop. Je passe un moment merveilleux. Ils me font de la peine parce qu'en plus, ils sont très complices dans la vie. Mais oui, je suis con. Du stress trop avec lui. Ah ouais, ouais, madame, pardonnez-moi, il faut que je me concentre. Alors tout le monde se calme. Là, je connais, elle est venue en vrai. Elle dit, Hakim, faut des bonnes réponses quand même. Arrivé chez les parents de Fadili, ouais. Vous avez eu une discussion. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire le sujet de cette discussion? Chez mes parents, on a eu une discussion. Ouais, je lui ai expliqué en gros ce qu'il faut faire pour le petit, quoi. On a parlé de football. Qu'est-ce que t'as dit? Je parle de quoi, moi? De la vie. Mais non. De foot. De foot. Il parle de la vie versus le vrai mec. Le football. Je leur ai expliqué, oui, on va venir chercher le petit à telle heure, on lui donne le biberon, machin. Ça m'a fait un fuck, sous couvert de remonter les lunettes. Alors, vous expliquez ensuite que vous avez travaillé pendant 2 heures. Sur quoi exactement? On a travaillé... J'ai travaillé sur mon spectacle. Travaillé nos sketchs. Oui, voilà. C'est fou d'avoir la pression. C'est toujours ce que ça fait, les commissaires. Surtout lui. Hein. Vous aimez pas la déco? Alors, une dernière chose sur le film. Oui, pardon. Comment s'appelle le personnage qu'on a proposé à Fadili? On l'a proposé de jouer la sœur de Chouri. Même si ça s'allume en rouge, comme ça va être le cas d'ici quelques secondes. Ça va s'allumer en rouge, bien sûr. Très bonne réponse. 3, 2, 1. C'est la cousine de Chouri. Ah oui, oui. Ah non. Là, c'est compliqué, Fadili. Là. T'as dit qui, toi? La cousine de Chouri. La sœur de Chouri. La sœur. Oh, wow. I'm in girl. Ouais, là, vous étiez presque. En fait, à chaque fois, on est presque. C'est juste que lui, il regarde là, moi, je regarde là, mais on est toujours dans la même rue. Ouais. T'as capté ou pas? Ouais, ouais, j'ai capté. On les a fumés, Hugo. Ah ouais, je crois que vous avez gagné. Alors, une dernière question pour le film. Quel est le nom de la production qui vous a contacté pour son rendez-vous? Bah, c'est Marvel. C'était Marvel. Ah, voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est logique. Super. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup, monsieur. Je vais rejoindre la salle d'attente. On va délibérer de votre sort. Alors, le problème, c'est qu'en sortant de cette pièce, lui, il est célibataire, là. Il faut surtout se poser les bonnes questions. Oh, messieurs, wow. Je vous invite à sortir. Ok, ok. Oh, wow. Ok, ok. Wow. Ok, ok. Oh, wow. Non, mais alors là, moi, j'ai pas les mots. Hein. Mais c'est dramatique. Vas-y, t'as fait des dingueries, là. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, en vrai? 7 ans. Ben ça va, 7 ans, c'est normal que vous soyez un peu... Ben non. Vous avez des doutes mais et non, tout, mais parce normal. Qu'en fait... Non. C'est pas normal. Tu me connais pas vraiment. Oh non. Les points, 6. 3. Ouais. On peut vous applaudir quand même, c'est... Oui, on applaudit. Eh, mais l'air de rien, ça met la surprise, hein. Bon, c'est quoi la suite? Prends le bas de combat. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous êtes excité, ça me plaît. Selon le gérant du Majestic, cinéma de la ville, 2 individus sont entrés dans la salle pour exploser une centaine de boules puantes au milieu des spectateurs. Ça, c'est lui. Je comprends pourquoi tu dis ça. Des spectateurs qui ont tous vomi, tapissant le sol de plusieurs litres de régurgitation. C'est si mature que ce que... Je vous montre maintenant ce que les flics m'ont donné, à savoir ces portraits robots. Non mais attendez, c'est pire en pire, attendez. Ah non mais c'est qui, moi? C'est toi, je pense. Non mais respectez-moi. Ils ne savent pas faire Hugo. Mais mec, fais des crimes, tu seras jamais retrouvé, ils savent pas te faire. Alors, le deuxième, je crois que c'est le même que la dernière fois. Ah non, c'est pas le même, ils m'ont enlevé la calvitie, alhamdoulilah. Oh Lucas, oui, Hugo, voici votre alibi. Si on y va maintenant, on va gratter 5 secondes. Voici votre alibi. Bonne chance à vous. Ok Hugo, stratégique, on a grave géré avant l'exercice. Hey, Lop, concentration cette fois. T'inquiète, vas-y. Arrivé chez Lucas, vous avez commandé des sushis pour le dîner. Aux alentours du... Hakim, t'es noir. Vous avez chacun pris un menu. M1, M2. Comme les puces des Mac. Et on dit Benoît. Le patron Benoît. Du résidu. Oui. Le résidu, c'est Benoît. En mangeant, vous avez regardé des vidéos sur YouTube. Sur quelle chaîne? Hugo Décrypte. Et en vous baladant d'une vidéo en vidéo, vous avez commenté certaines d'entre elles pour faire des clins d'œil. On commente sushi. On a dîné où? On a mangé au Sarfati, on fait comme d'habitude. Moi, j'ai mangé une omelette. Et toi, t'as mangé une omelette. Alors que vous installez un home cinéma depuis 2 heures dans le salon de Lucas. Vous avez appelé pour aller en boîte. Comment elle s'appelle, la boîte?
le Big Night. 22h30, vous êtes rendu dans un dernier comédie club, le Fridge. Je travaille justement de vos sketchs. Le petit. Le petit. Qui nous a appelé? Qui nous a appelé? Mid et Nuno, le deuxième. Mid et Nuno. On s'est habillé classe. Sur costume. 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 Classe. Et quand on est parti. Allez, Hugo, c'est terminé. C'est parti. Je te jure que le jeu, il déchire. Ah, il déchire, mais il est dur, hein. C'est très, très dur. Oh, je me retrouve avec lui, moi. Il fait flipper. Je fais peur. Tu vois, elle est très impressionnante, celle-ci. Ouais, ouais. Voilà, déjà, tu vois. Ah, comment ça met la pression? Ça fout la pression, un peu, quand même. Ah, ça fout la pression uniquement si vous avez fait quelque chose. Non, non, j'ai rien fait. Bon, voilà. Ah, donc, oui. Vous avez pas besoin d'avoir la pression. Bien sûr, vous avez raison. Alors, Hakim, vous dites avoir répété dans plusieurs comedy clubs. Comment s'appelait le dernier que vous avez joué? C'est le Fridge. Fridge. Très bel endroit. J'aime beaucoup. Alors, au second Comedy Club, pouvez-vous me citer deux autres stand-uppers qui étaient avec vous? Il y en avait plein. Tant qu'ils sait qu'elle va dire elle. Vous êtes mort. Tu sais que tu l'as pas, celle-là. Et ça se voit. Louis Dubourg. Il y avait Douli. Il en faut deux. Douli. Douli. Douli et Louis Dubourg. Wow! Alors là. Là, ouais, j'ai un là, c'est champion! Bien joué, Fadili! Pardon. C'est insonorisé, donc ça sert à rien. Ok. À part me casser les oreilles. Alors, selon votre alibi, vous deviez travailler un nouveau sketch. Oui. Quel était le sujet de ce sketch? Oh. Notre fils. Mon fils, le petit. Le petit mioche. Oh, waouh! Elle est forte. Alors, je suis désolé, mais. Non, mais c'est juste la vérité au final. Vous affirmez avoir bu un verre avec le patron du premier Comedy Club. Comment ouais. S'appelait-il? Le premier Comedy Club, c'était le Résidu. C'est Benoît. Le tout premier? Benoît. Benoît. Waouh! Wow. That's my boy! Waouh! Mais je suis choqué du step-up. Alors, vous dites que vous avez fait 3 Comedy Club en une soirée. Ça fait du chemin, ça? Comment vous êtes déplacé de l'un à l'autre? En VTC? En VTC. Putain, mais c'est incroyable. C'est fou, là. Vos prestations, elles ont été payées au chapeau? Ouais, c'était ça. Non, c'est pas au chapeau. C'est payé en cachet. Oh, merde. Depuis quand on est payé au chapeau? Eh, ça va, vous avez fait 6 bonnes réponses. On est mort, Hugo, on est mort. Mais je pense qu'on est mort, mais t'inquiète. Vas-y, continue. Putain, vous êtes très fort. Non, là, vous êtes très fort. C'est mis au cachet ou au chapeau? En vrai, moi, je préfère le chapeau. Ah ouais? Pour pas déclarer? Si, si, on déclare le chapeau. Bien sûr. Alors, selon vous, qui a le plus besoin de répéter son spectacle? Hakim. Moi? No. Fadili. Oh merde. Oh! T'as dit qui? Moi, t'as dit? Bah bien sûr. Mais c'est toi qui répète plus. Mais c'est toi qui répète plus, Lop. Fadili, je ne répète jamais. Mais alors tu mens des fois quand je te parle et tu me dis, attends Fadili, il faut que je répète. Bah oui, je mens. Oh! Je fais des prières. Oh! Il fait des prières pour pas bider. Je prie pour pas bider, voilà, c'est vrai. Alors, selon votre alibi, vous avez dîné rapidement. Ouais. Qui a pris quoi en plat? On a pris 2 omelettes, il me semble. Lui, il a pris une omelette. Moi, j'ai pris... il me semble que j'ai pris un chocolat chaud. Pour le dîner. T'as dit quoi, Fadili? Omelette. Omelette? Et? Elle a dit chocolat chaud. Fadili, concentre-toi, s'il te plaît. Hakim, ça va, vous vous en sortez bien, Hakim. Ouais, ça va, ça va. Il y a une vraie complicité dans votre couple, c'est trop fou. Alors, revenons sur les 3 comedy clubs. Comment s'appelait le deuxième comedy club? Ah, le Sarfati. Le Sarfati. Oh, bien joué. Ouais. Honnêtement, avec le recul de cette soirée, qui a le mieux réussi ses passages sur scène? En toute honnêteté. Les bâtards. Tu sais ce qui va se passer? Moi, je vais avoir envie de dire Fadili. Elle va avoir envie de dire Hakim. Ouais, tu vois? Ouais. Donc, je vais dire moi. Dis-toi. Voilà, je vais dire moi. C'est moi. Là, t'as vraiment dit que t'as mieux marché que moi? Justement pas. Je dis, je la connais, elle va vouloir dire Hakim. Ah non, mais pas du tout. Ah non, mais faut reconnaître, tu joues très bien aussi, mais quand c'est vrai que quand je viens, faut de la chauffe pour ton passage, quoi. Ça se fait sur la gueule, c'est incroyable. Ah, elle est trop marrant, putain. Oh, waouh. Hugo, on va passer à vous. Ça va, vous êtes prêts? Je suis en train d'oublier toutes mes réponses. Mais normalement, t'es pas censé les avoir avant, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Exactement. Vous dites avoir commandé des sushis. Ouais, j'adore ça. Quel était le code du menu que vous avez pris? Lui, il a pris un M1 et moi, j'ai pris un M2. Alors moi, c'était M1 et Hugo, c'était M2.
Ah ouais. Dans le resto japonais, donc, vous êtes plutôt sushi, saumon ou maki creamy cheese? Alors? Qu'est-ce qu'il y a, Fanny? Qu'est-ce que tu préfères? T'as l'impression que j'ai pas la réponse à cette question? Ah non, pas du tout, non, non, je... Et pourtant, je vais dire sushi et ça va s'allumer en vert. Non, lui, il est sushi saumon. Yes! Oh la chance! Bon, vous avez regardé des vidéos sur YouTube, pouvez-vous me donner le titre d'une vidéo que vous avez regardée? Bah, on a regardé une vidéo de ma chaîne. Il va dire qui est l'imposteur fait Eric Aramzi. Je tente. C'était les actus du jour. Oh. C'était. T'as dit quoi? Moi j'ai dit imposteur fait Eric Aramzi. Mais on avait dit qu'on regardait ma chaîne, non? On avait dit qu'on regardait ma chaîne. Oh merde! Oui, c'est pour ça, bah oui. Oh merde, pardon! Ah pardon. Mais t'inquiète, t'inquiète. Putain, j'avais oublié la réponse. T'inquiète. Merde. Je suis désolée pour toi. Ça a pas du tout l'air sincère. C'est vrai. Vous vous êtes adressé à des youtubeurs pour faire des clins d'œil. Pourriez-vous me donner un exemple de commentaire que vous avez laissé? Ne me jugez pas, mais on écrivait. Sushi. Incroyable. Incroyable. Bien joué. Donc ça fait rire les gens, sushi. Ouais, sushi. Bof, c'est marrant, non? Vous dites avoir installé un home cinéma. Dans quel but? Le but de poser un sound system, c'est d'avoir un meilleur son. Son! Quoi d'autre? Fadili! Fafa! Fafa! Dans le but de regarder des films. Oh, tu peux pas croire ça, non! Ça peut être quoi la réponse? Hein? Bah pour avoir un meilleur son. Moi je dis pour regarder des films. Ah merde, ok, dommage. Ta réponse était logique, quoi. Bah ouais, pour regarder des films. Quel est le nom de l'ami qui vous a appelé pour que vous le rejoigniez en boîte? C'est toujours le même, c'est Mid. Il s'appelle Mid. Mid. Du coup, vous vous êtes changé pour aller en boîte? Absolument. Comment vous étiez habillé? Putain. Alors, là, on s'est dit grand jeu, costume et genre, comme ça, tcha 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 tcha, boîte de nuit et tout. On a dit en costume, genre soirée chic à mort, costume. Oui, go, je t'aime! C'est serré là, il faut que j'ai bon sur les deux prochaines. Alors vous arrivez sur le lieu de la soirée, comment s'appelait la boîte? Vous connaissez peut-être. La Big Night. Big Night! Woo! Big Night! Tu vas la fermer ta gueule! Combien étiez-vous au final sur place? C'est Mitty qui nous appelle. Nuno nous envoie un texto, on se chauffe. En tout, 1, 2. On est 4. On était 4. Oh, je t'aime! Yes! Yes! Oh, yes! Bâtard. Oh, le 4, bien joué, go! Bien, wesh! Je sais, vous êtes bluffé là, je vois votre regard. On y retourne? Oui. J'aime trop. Alors, vous dites avoir des vidéos de la soirée, quel est le nom de la personne qui a filmé? Ah, ça, tu l'as pas, c'est sûr que tu l'as pas. C'est Théo. Il filme tout le temps, c'est un gros filmeur. Qui a filmé? Oui. C'est Théo. Yeah! Oh. Sans même couler! Yes! Yes! Ah ouais, non, mais alors là, j'avoue. Putain, j'ai le seum, frérot. Les gars, le level là, il est incroyable. Ouais, non, mais là, c'était chaud, là. Au niveau des points, on est à 8 de ce côté-là et on est à 6 ici. Quoi? Non, sur cette manche-là? Non, ils ont gagné, Fadil, ils ont plus de bonnes réponses. On était bons, hein? Je suis navré. On était bons. Quoi, mais... ça vous amuse? Eh, on devrait se mettre en couple ou quoi? Nous avons encore une accusation. C'est pas vrai! Le parking du centre commercial Le Galaxy. C'est plein de l'effraction de plusieurs véhicules de type tuning. Les voitures ont roulé à plus de 100 km/h jusqu'au troisième sous-sol. T'en ai suivi un concours de drift où une dizaine de véhicules particuliers ont été percutés. Je vous montre maintenant ces portraits robots. C'est qui ça? C'est toi là? C'est moi là? Oh les enfoirés! Ainsi que vos portraits robots. On dirait mon frère! C'est pas moi! Bah c'est pas toi, mais là c'est pas. Est-ce que c'est moi là? Pas du tout! C'est Mouloud Achour, frérot, c'est pas du tout. Mais on dirait plus Mouloud que moi, hein. Je vous donne ses alibis, vos alibis. Nos alibis, allez, beaucoup. On y va. Allez-y. Eh, Fadili et Hakim, donnez tout. Transition. Ok Hugo, faut qu'on refasse une paire pareille. Après vos prestations dans les Comedy Club, vous êtes passé récupérer votre enfant chez la famille de Fadili. C'est quoi l'adresse? L'adresse? 14 rue Montmartre. Vous avez passé la nuit en boîte, vous en êtes sorti un peu éméché très tôt le matin. À quelle heure? 6h du mat. 6h du mat. Vous avez commandé un taxi car impossible de rentrer en marchant. Sur le chemin, le taxi a réveillé votre enfant en écoutant trop fort la radio. Et la radio c'était RTL, musique de Patrick Bruel. Inch'Allah, je retiens. Pour dessouler plus vite, vous êtes allé manger une crêpe. Nutella. Crêpe Nutella. Crêpe Nutella. Le nom du restaurant? Ah oui, le nom du resto. Crazy crêpe. Agacé, vous avez demandé à terminer le chemin à pied. On a marché de chaque pied. Ah, j'ai mis son arme.
vous avez fini par vous asseoir sous un abri de bus parce qu'il pouvait rester quoi la ligne 27, ligne 27. Une fois rentré à 22h30 du matin, vous avez envoyé un message à la famille Tibi pour le prévenir de votre arrivée et vous êtes couché. Épuisé par votre conjoint. Ok, allez. Allez, c'est parti. Allez. Bonjour. 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 C'est la première fois qu'on se voit en plus. Je suis ravi. Avec le même enthousiasme, moi aussi. On se retrouve ? Ça va la famille, les enfants, tout ça ? Très bien, et vous ? Bah super, c'est gentil. Vous dites être sorti au petit matin, quelle heure était-il exactement ? Il devait être pile 6h. Il était 6h du matin. Bien joué. Voilà, c'est l'heure à laquelle je sors de boîte. Ah ouais, toi tu restes jusqu'au bout de la moi, night. Moi je suis un fêtard, comme si les jeunes. Lorsque vous avez quitté la boîte, quelle chanson jouait le DJ ? Ça me souvenir. Quelle était la chanson que jouait le DJ ? J'espère que vous allez bien. Ouais. Oh les bâtards. Il va dire un truc qu'on connaît tous les... Ah non, je sais, c'était Feel My Needs. Feel My Needs. Yes. Calmez-vous. Selon vos propos, toujours, vous étiez éméché. Lequel de vous deux avait le plus bu ? Il les actue à faire le lendemain. Vous voyez bien Hugo comme il est. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans le monde. Il peut pas être bourré, il peut pas être... Bah oui, il va dire moi. C'était lui. Je reste sérieux. Vous êtes chaud. Pour éponger tout cet alcool que vous avez bu, vous êtes allé à une crêperie. Oui. C'est bien. Combien de personnes y avait-il dans la queue ? 5. On est arrivé, il n'y avait pas de queue, on y allait directement. Non ! C'est dur là. Bah, 0, moi j'ai dit, je savais pas. Ah, j'aurais pu dire, il y avait personne, putain, désolé. T'inquiète. Crazy crêpe. C'est le nom du resto. D'accord. Pour gagner du temps, vous auriez pris la même crêpe. Ouais. C'était quoi comme crêpe ? Petite crêpe au Nutella. Bah, celle au Nutella. La base. C'est un petit gourmand. C'est chaud pendant Forax. Avant de manger les crêpes, qui les a payées ? Bah, en fait, je me suis dit, vas-y, je lui paye. Et c'est pas cher, donc tant qu'à faire, que je suis un peu radin, autant payer une petite crêpe, quoi. C'est moi qui ai payé. Ah ? Non ! J'ai payé, non ? En fait, j'ai cru que t'allais répondre premier dog et que t'allais dire, bah, Lucas, il kiffe payer des trucs, c'est lui. Mais oui, mais Lucas est bien plus riche que toi, Hugo. Enfin ! Ouais, Lucas, il régale en crêpes. En sortant, vous êtes abrité sous un abribus et vous pouvez me dire quel était le nom ? C'était le 27. De l'arrêt où vous êtes... Non, le nom de l'arrêt. Le nom. C'est l'arrêt 27. C'est dans quelle ville, ça ? Le 27, c'est un arrêt à Paris. J'ai pas l'impression, moi. Si, tu vas voir. Ok. Arrêt Crazy Crep. L'arrêt Crazy Crep. J'ai dit l'arrêt 27. Putain de merde. Ah mais c'était bien tenté Hugo, c'était bien tenté. Crazy Crep. Comme ça durait très longtemps à cet arrêt de bus, vous êtes rentré en taxi. Qui a eu son taxi en premier ? Hugo, il a toujours un temps d'avance quand on commande un taxi. Donc je dirais Hugo. C'est Lucas qui a eu son taxi en premier. Non ! Merde ! Il a dit toi. Je savais pas, mec. Moi aussi je savais pas. Une chance sur deux. Allez, les derniers on y arrive. Allez Hugo, on est des boss. Alors, il manque un peu d'éléments sur la boîte de nuit. Comment s'appelait le DJ qui mixait ? Le DJ qui mixait, c'était Mid. C'était Mid qui mixait ? Le fameux ? Ah, bien joué, les gars. Non, bien joué. Il est fort. Lorsque vous êtes sorti de l'établissement, combien de videurs étaient devant la boîte ? 2, pour la simple et bonne raison que c'est une boîte assez huppée. Et 1, ce serait pas suffisant. 2. Ouais. Ok. 2, c'est toujours 2. Oh, waouh ! Ouais. Hakim. Ah, c'est à moi ? Ouais. Bien. Tu te souviens de tes trucs, ça ? Ouais, plus ou moins. Fadili. Courage. J'ai peur. Alors, vous avez récupéré votre enfant à la fin de vos prestations. Ouais. À quelle heure avez-vous quitté le dernier Comedy Club ? Oh putain. Non, pas là. Non, ne lui fais pas ça, Fadili. Frérot, elle mérite mieux. Il devait être 23h30. 1h du matin. Aïe. Tu as dit quoi ? 1h. Ah, j'ai dit 23h30. J'ai plus de force là. Là, je suis anéanti par la pression. Fadili, concentre. Hugo va gagner. Crazy Quip. Alors, vous auriez fait votre chemin en marchant. Oui. Par quelle grande avenue êtes-vous passé pour aller dans la famille de Fadili ? Tu n'as pas celle-là. On est passé par la rue du Louvre. Je veux dire Montmartre. Ah ouais, mais là... T'as dit quoi ? Rue du Louvre. Mais avant, j'ai évoqué Montmartre. Toi, je te dis, on dit rue Montmartre. C'est quoi rue Montmartre ? Montmartre, c'est pourquoi ? Bah, j'ai dit au hasard.
Au hasard. Oh, c'est un fiasco. Vous voulez pas en échanger les rôles? Je vous interroge vous. Vous allez pas rester marié longtemps. Ouais. Ah ouais. C'est mal barré. Hein. Je garde espoir. Vous êtes passé par Montmartre, c'est long comme chemin à faire à pied, non? C'est très très long. Qu'est-ce qu'elle portait comme chaussures, Fadi? Elle portait des Doc Martens. Des Crocs. Ah non, des Doc Martens, pardon. Des Doc Martens. Doc Martens. Mm. Oh, la chance, frérot. Oh, putain, bien, elle est belle. Oh, elle est belle, celle-là. Putain, beau gosse. Ah, ouais, c'est un beau gosse. I knew it. Quand vous avez récupéré votre enfant, mm-hmm. Qu'est-ce que votre enfant a mangé, du coup, pour le dîner, vous savez? En vrai, il mange que des pâtes. Ok. Dans la vraie vie, il aime que des pâtes. S'il ne dit pas des pâtes, c'est abusé, frérot, par contre. Qu'est-ce qu'il a mangé? Du pain. Mais Fadi, mais t'as pas dit des pâtes? Juste, t'as pas dit des pâtes. Et là, j'ai dit du pain. Vous avez pas le même fils ou quoi? Fadi, c'est pas possible ça. Fadi, il mange quoi? Il mange quoi? Il mange des pâtes. Il mange des pâtes? Il mange des pâtes. Non. Pourquoi t'as dit du pain? Oh, on a fait de la peine. Non. Oh non, non, frérot. Il mange quoi essentiellement, votre enfant? Du pain. Du pain. Hé, hey, vous allez finir à la DAS. Vous voulez nous enlever le gosse, Fadi, il dit pas du pain. Oh, je suis vénère. Votre taxi écoutait la radio durant votre trajet retour. Quelle chanson a réveillé votre enfant? Titouni. C'est quoi cette chanson? C'est une chanson pour les enfants. Ça passe à la radio? Ah, écoutez, je sais pas c'est quoi la chanson, mais c'est une chanson de Patrick Bruel. Fadi, tu peux pas être là. Moi, je me sortis. Non, t'as dit quoi? On a dit quoi avant? Je t'ai pas dit Bruel. Mais frère, mais je t'avais dit que j'allais oublier Patrick Bruel, c'est trop précis là. C'est dommage. Ça, c'est dommage pour le coup. Crazy Crab! Crazy Crab! Crazy Crab! Elle est en train de prendre le seul. Elle a rejoint la team Crazy Crab. Il reste quand même 5 questions. Alors, arrivé chez vous, qui a couché l'enfant dans le lit? Enfin, Dili. C'est moi. Oh, waouh. Là, c'était rapide. Là, il n'y a aucune hésitation. Oh, voilà. Lui, il rentre et... Alors, revenons brièvement sur le trajet en taxi. Combien de temps a-t-il duré? Le trajet en taxi, il a pas duré longtemps, il a dû durer 20 minutes. Oh non, une demi-heure. Mais c'était sûr, c'est précis hein. En vrai, c'était chaud. Là, non, mais là, je t'en veux pas. On est à côté surtout hein. C'est dramatique. Oh là. Ça va vous? C'est un fiasco. Alors, le message que vous avez envoyé à la famille de Fadili avant de vous coucher, quelle réponse avez-vous reçu? Que notre fils allait bien. Ils ont dit ok. Alhamdoulilah. T'as dit quoi, l'homme? T'as dit quoi? J'ai dit que le petit a passé une bonne soirée. Moi, j'ai dit ok, alhamdoulilah. Eh, on est en train de se faire laminer. Ça va, gars. Ça veut pas dire que tu vas pas aller en taule, mais ça va aller. Lorsque votre famille vous a répondu, votre téléphone a sonné. Pouvez-vous imiter la sonnerie de votre téléphone? Ding, 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 ding. Allez. Ouais. C'est bon. Et une dernière question sur le trajet retour. Ça vous a coûté combien la course en taxi? Moi, je dirais 30 euros. Je dirais qu'il nous a coûté 30 balles. Oh, bien joué, putain. That's my boy. Ah, mais là, je suis fier de toi. Ah, là, frérot, c'est incroyable. C'était technique, ça. Wow. Ouais, là, c'est beau. Là, c'est beau. Là, c'est beau. On fait quand même le quatrième manche ou pas? Je sais pas. Voilà, on va délibérer. Vous pouvez sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, allez, va retrouver ta femme. Parce que quand même, là, à la fin, c'était beau. Viens, c'est pas mal. Viens. Je te laisse régler. Viens. C'est pas mal. Non, mais... C'est pas mal. Franchement, moi je pense qu'on est aussi victime d'un complot, il y avait clairement volonté de nous nuire. Non mais, non. En vrai de vrai, on a déconné parce qu'il y a des trucs qu'on s'est dit. Juste Patrick Bruel. Non. Il essaie de les remonter, il dit non. Oui. En fait, vous avez toutes vos chances de récupérer beaucoup de points, peut-être de battre Squeezie. Mais non, évidemment. Vous savez quoi, pour cette vidéo, on va raisonner pas par manche, parce que sinon vous avez perdu, on va raisonner uniquement par points. La dernière manche, les points comptent double. Donc là, il faut répondre au mieux à un maximum de questions, sachant que là, c'est la manche à l'aveugle, donc c'est très dur. Cette fois-ci, je n'ai ni accusation, ni alibi. Ok. Donc vous allez vous démerder. C'était quelque chose. Non, mais là, c'était chaud. Je pense que là, vous pouvez être meilleur. Vous connaissez quand même. Ouais, c'est parti. Alors, Lucas. Oh, c'est moi qui commence. Ouais. Votre alibi précise que vous étiez retenu à cause d'une discussion sur vos voyages. Oui.
quelle est la pire destination selon Lucas? Oh, alors là, ça va être compliqué. Ouais, je sais pas, c'est toujours cool de voyager, non? La Corée du Nord, par exemple. Ah ben voilà, Corée du Nord, merci. Vous avez été formé là-bas, vous, c'est ça? J'ai de la famille là-bas. Je vais dire la Pologne. Oh merde! J'ai dit la Pologne, je sais pas. Oh le bâtard, on est allé ensemble en Pologne. Et là, lui, il était là, genre, c'était super le voyage. Merci. Et là, il dit pire voyage, la Pologne. Non mais, la météo, la météo. C'est terrible. C'est terrible, ce qui se passe. Il faisait 12 degrés. Excellent moment, parce qu'avec des amis, mais c'est il faisait bon. 12 degrés. À qui? Oui. Vous êtes avec moi? Oui. Oh, ah putain, c'était dur. Alors, Fadili, pour justifier votre absence chez la victime, vous nous avez dit avoir passé 3 heures sur les devoirs de votre enfant. Quelle était la matière que vous avez travaillée? Sachant qu'il a 2 ans, c'est quoi la matière? Coloriage. Il sait faire que ça, cet âge-là. Et colorie dégueulasse. Oui. Si elle dit pas ça, c'est abusé. Je vais dire le français. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? J'ai dit le français, genre je lui apprends à parler. Fadili, il a 1 an et demi. Mais je lui apprends à parler français. De français. Pour dire merci, il dit Adi. Oh non. Oh non. Moi, il parle très bien. Hein. Moi, pour me dire merci, il me dit merci, pas Adi. Ah, c'est dur. C'est dur, là. C'est super dur. Alors, vous dites que l'astrologue vous a parlé 3 heures de votre signe astrologique. Ah bon? Quelle est votre date de naissance, si vous êtes bélier? Le 6 avril. Ah, je connais ma date de naissance. Ah, donc en gros, c'est ce que lui, il connaît. Je vais perdre un ami. Putain. Mais bélier, je crois que c'est genre le mois de mars. Je te fais confiance. Le 8 mars. C'est dur. T'as pas la date de ton pote? C'est quoi ta naissance? 6 avril. J'ai dit 8 mars. Ah putain! Merde! C'est pas grave, Hugo, désolé. C'est pas grave, on tient, t'inquiète. Bah non, je m'en souviendrai. 6 avril. Fadili, selon votre alibi, vous étiez chez vous et Hakim vous a préparé son plat préféré. Quel est son plat préféré? C'est des pâtes. Pâtes bolognaise. Oh. S'il dit pas pâtes bolognaise, je pars. Ah, pâtes bolo. Ouais, c'était direct. C'est efficace. Hugo, vous déclarez qu'aux heures des événements, vous étiez chez le kiné, car Lucas s'était fait mal en soulevant un poids au sport. Ouais. Et pourtant, il en a des muscles. Il en a. Quel poids maximum vous pouvez soulever? Qu'est-ce qui est logique? Genre, est-ce qu'il va dire un truc rond, genre 100? Il va peut-être dire la moitié, genre 50, parce que ça semble faisable. Donc je pense qu'il va dire 50. 60 kilos. 60? C'est beaucoup? C'est non. Attends. J'ai 55 kilos. Aïe, aïe, aïe. T'as dit combien? 60-50, je sais pas. J'ai dit 50. Ah mince, c'est pas loin. Hugo, pour moi, on a eu bon. Crazy crap. Ah merde. Alors Fadi, vous êtes rendu chez la meilleure amie d'Hakim. C'est qui? La meilleure amie? Ouais. La? Ce serait va dire toi. Tu croyais qu'il va te dire? Possible, hein. Tu es à la fois sa femme, sa meilleure amie. Je suis aussi sa maman. Toutes les femmes réunies. Toutes les femmes de sa vie. En moi réunie. La réponse, c'est quoi? Je dirais Sado. Il est proche de qui d'autre? De Douli, de Sado. C'est peut-être Douli en vrai. C'est Douli, je crois. La fille dont il est le plus proche. Élise. C'est son agent. Aïe, aïe, aïe. C'est sûr. T'as dit qui? Élise. J'ai dit Sado. J'ai puné, j'hésite à dire Sado. Vous étiez à ça, non? C'est juste, hein. Ah ouais. Moi, je passe en Sayon. Je n'écoute plus les autres, je me concentre sur mon instinct et je répondrai ce qui est le plus logique. En vous enfuyant de la boîte de nuit, vous auriez hurlé votre devise au videur pour les narguer. Quelle est cette devise? Alors, attendez. C'est soit sushi, soit crazy crap. Soit crazy crap. 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 La devise était crazy crap. Crazy crap. Salut, c'est Hugo. Logique. Merde! Moi! T'as dit quoi? Crazy crap. Je savais, je lui ai dit. T'as dit sushi? J'ai dit salut, c'est Hugo. Oh, bon, non mais là. J'avais pas du tout. Moi, c'était sushi ou crazy crap. Ah merde, j'ai tout écouté. Non! Ah non, j'ai pensé trop strat. Mais gars, je te mets sur des pistes, tu les suis pas. Mais par contre, il y a un truc qui m'inquiète, Fadili. C'est que t'es plus complice avec mon meilleur ami qu'avec ton mari. Vous expliquez qu'Hakim serait parti vexé après le match. Il n'aurait pas apprécié que les remarques sur son joueur préféré. Qui est ce joueur? C'est un gros footeur en plus. Oh, je dirais Ben Arfa. C'est tout ce que j'ai à dire si c'est pas ça les gars là. Moi, je... Qui est ce joueur? Ben Arfa. Oh waouh, c'est beau, c'est venu direct. Ouais, ça le sait, elle sait. Because you are my man.
Vous dites que le restaurant vous a refusé à cause de la tenue de Lucas. Qu'est-ce qui pose problème dans la tenue de Lucas? C'est la formulation, j'adore. En général, qu'est-ce qui pose problème? Je crois qu'il y a plein de trucs à dire. Là, madame... Alors, il avait un costume parce qu'on sortait de boîte, machin. On avait eu chaud et c'est ça. Ce qui posait problème, c'est qu'on puait la sueur. Qu'est-ce qu'elle avait, cette tenue? Elle était sale, elle sentait la sueur. Wow! Yes! Yes! Selon vous dire, vous avez mangé sur une aire d'autoroute vers 13h. Comment s'appelait le restaurant? Comment ça, madame? Comment ça, madame? Je peux pas savoir, ça. T'as mangé au McDo. Une aire d'autoroute, t'as mangé sur au McDo. Sur une aire d'autoroute? T'as mangé au McDo. Mais tout le monde. Vous, par exemple, sur une aire d'autoroute, là, entre deux interrogatoires. Je m'arrête jamais. Ah. Sinon, on va quick, il mange un filet aux fiches, quoi. Bah, c'est quick au McDo, alors. Mais c'est sur une aire d'autoroute, y'a pas McDo, de quick. C'est McDo. Ah, au quick? Oh, ah, non. C'était sûr. J'ai dit McDo. Quick. Oh. Non. Elle a dit McDo au quick. Elle a dit McDo au quick. Ouais. Mais sur une aire d'autoroute, y'a jamais de quick. Bah, si. Ah bon? Pour aller en Alsace, qu'on va chez. Mais non, j'ai pas vu de quick. Mais non, moi non plus. Oh, tiens. Non, pas des lunettes, excuse-moi. Il y a eu 4 points pour vous. Ouais. Et 2 de votre côté. Et au final, c'est Lucas Hugo qui gagne avec 22 points et vous 17. Nous 17, ça va. Honorable, attention. C'est honorable. Mention honorable. Au nom de tous les gens qui ont regardé cette vidéo, ne divorcez en aucun cas. Car vous êtes le plus beau mignon couple qu'on ait. Merci les frérots. Un couple douillet. Un couple douillet. Merci frérot. Vous êtes des bombes. Quoi qu'il en soit les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était un plaisir de faire ça avec vous les frérots. Je me suis régalé. C'est régalable. Hugo, on se met en couple quand tu veux. Voilà, c'est la chose qu'on se connaît. Il n'y a plus qu'à se connaître par cœur. Et surtout, le mot de la fin, c'est crazy. Crazy, 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 crazy. Ciao, merci d'avoir regardé. Merci Fadil, Hakim, Léopold, Hugo. Ciao tout le monde.